Zou, le meilleur vendeur. C'est un véritable plaisir de te garder pendant que tes parents sont occupés à faire les courses de Noël, Zou. Alors, dis-moi, tu es content d'être en vacances? Oh oui, merci oncle Xavier, j'ai hâte que Noël arrive. Je vois que vous avez plein de nouveaux articles. Oui, peut-être même un peu trop. D'autant que l'on doit bientôt vider la boutique, on a de gros travaux à faire. N'est-ce pas mon chéri? C'est exact, on va changer les vitrines et refaire le sol. Alors nous avons intérêt à vendre nos articles de Noël rapidement. Seulement, on ne peut pas dire qu'ils aient énormément de succès. Malgré toutes mes décorations, je dois dire que les clients se font rares. À l'école, on a eu une leçon sur la vente. Je pourrais vous aider? Ça m'amuserait. Peut-être que ça vous amusera, mais pas moi. Je préfère aller jouer avec Britney Chantel. Bien sûr, Zinia, vas-y. Alors, Zou, qu'est-ce qu'on devrait faire à ton avis? Il faudrait mettre le sapin plus près de la porte d'entrée. Comme ça, on le verrait depuis l'extérieur. Qu'en penses-tu, Tante Zelda? Mais oui, bien sûr, c'est une excellente idée, ça. Mais non, maman, enfin, il serait beaucoup mieux près de la vitrine, là-bas. Zinia, ma chérie, je croyais que tu ne voulais pas nous aider. Je viens de changer d'avis. Dans ce cas, tu es la bienvenue. Mais je pense que nous devrions essayer l'idée de Zou. Il faut que le sapin soit en évidence pour que les clients le voient de l'extérieur. Je suis d'accord, mais ils le verront tout aussi bien dans la vitrine. J'ai pas raison, papa? Oui, bien sûr, Zinia chérie, mais la porte, c'est... C'est un très bon endroit pour commencer. D'accord, maman. Notre sapin a trouvé sa place. Moi, je suis sûre qu'il serait mieux dans la vitrine. Salut, papy. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, papy. J'ai fini les commissions pour le repas, alors je suis venue voir comment ça allait par ici. Tes parents nous rejoindront tout à l'heure, Zou. D'accord, mais rien ne presse. On a déplacé le sapin pour que les gens le remarquent de dehors. Je vois ça, c'est une très bonne idée. Et c'est Zou qui l'a suggéré. J'espère que ça va inciter les clients à entrer. On croise les doigts. Les affaires ne vont pas fort, on ne vend pas grand-chose en ce moment. Et il faut qu'on vide la boutique. On doit bientôt faire des travaux. Toutes les idées pour attirer les clients sont les bienvenues. Voyons voir, vous pourriez arranger les éclairages autrement pour mettre en valeur certains articles. Bonne idée, papy. On pourrait aussi déplacer certains articles de Noël plus près de l'entrée. Bon, d'accord, essayons. Ça pourrait aussi donner une allure plus festive à la boutique. La boutique est beaucoup plus gaie. Oh, j'espère que ça fonctionnera. Ça fait maintenant des heures qu'on a tout réarrangé et on a seulement vendu 2 cartes. Venez les enfants, réfléchissons ensemble à un moyen de donner envie aux clients d'entrer dans la boutique. Si on leur offrait à boire quand ils arrivent. Ce n'est pas une mauvaise idée. Faire les boutiques, ça donne soif. Un bon jus de fruits leur ferait sûrement plaisir. On pourrait aussi leur offrir quelque chose à manger. Oui, un buffet avec des petits fours, des fruits, des légumes, ça serait merveilleux, ça. Et si on organisait une tombola avec de jolis prix à gagner? Ah oui, bonne idée. Comme ce vase, par exemple. Oui, ou encore ce bol. Oh, je crains que ces articles soient un petit peu trop chers pour qu'on les offre. Mais vous pouvez prendre ce vase, c'est la collection de l'an dernier. Ça vous irait? Oui, c'est parfait. Ça tombe bien, il me reste justement un carnet de tickets de la tombola qu'on avait organisée pour la kermesse de l'école l'année dernière. Magnifique, mettons-nous au travail, on a du pain sur la planche.
voir toute cette nourriture, ça m'a ouvert l'appétit. Je comprends. Zelda a préparé ce buffet avec beaucoup d'attention. Avec cette guirlande, la présentation est parfaite. Sans oublier les petits flocons de neige pour rappeler l'esprit de Noël. Félicitations à tous les deux, c'est tout à fait de saison. Toujours aucun client. J'espère seulement qu'on n'aura pas fait tout ce travail pour rien. Je sais ce qu'on pourrait faire. Viens, papy. Si les clients ne veulent pas venir à nous, alors c'est nous qui irons les chercher. Ah, oh, je vois. Très bonne idée, Zou. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zou. Puis-je vous offrir quelque chose à grignoter? On a aussi de délicieux jus de fruits. Oh, merci beaucoup, Zou. C'est vrai qu'il est très bon. Il y a beaucoup de nouveautés à la Zébroutique, spécialement pour la période des fêtes. Vous aimeriez jeter un œil? Mais avec plaisir. Ça alors? Vous avez des choses magnifiques à vendre. Je vais vous prendre quelques cartes et ces décorations. Bien sûr, je vous les emballe. N'oubliez pas votre billet de tombola gratuit. Oh, merci. On ne sait jamais. Il se pourrait bien que ce soit mon jour de chance. Je pense qu'un peu de musique de circonstance pourrait égayer l'atmosphère. Oui. Et plaçons les enceintes près de la porte. Comme ça, les passants l'entendront. Ça pourrait leur donner envie d'entrer. Oh, oui, c'est une excellente idée. Tu as raison, Zou. Ça pourrait être très efficace. Bonjour! Zou! Bonjour tout le monde. Nous avons entendu de la musique, alors nous sommes venus voir ce qui se passait par ici. La Zébroutique a fait le plein de nouveautés pour la période des fêtes. On voudrait que tout le monde vienne découvrir les nouveaux articles. Vous aimeriez un verre de jus de fruits? C'est offert. Oh, délicieux. Oh, c'est bon. Soyez le bienvenu, Monsieur Zoé. Toi aussi, Isaac. Il y a plein de belles choses à voir à l'intérieur. Ces cartes, elles sont vraiment très jolies. Oh, tu as raison, c'est vrai qu'elles sont belles. Tenez, nous allons vous prendre ces cartes. J'ai trouvé des cadeaux parfaits pour mes petits neveux. Ça alors, c'est un véritable succès. Tu sais quoi, lançons la tombola maintenant, pendant que la boutique est pleine à craquer. Excellente idée. Excusez-moi, votre attention s'il vous plaît. Approchez, c'est l'heure de la tombola. Je t'en prie, à toi l'honneur. Avec plaisir. Et le ticket gagnant est... le numéro 15. Oh, le 15, c'est moi. Oh, regarde, Zoroastre, j'ai gagné. Félicitations, Zygmunt, voici ton prix. C'est super. Oh, ça fera un cadeau parfait pour ma tante. Elle adore le rouge. Elle en a de la chance. Merci à tous. Vous pouvez continuer vos achats de Noël. Tout doit disparaître. Eh bien, on peut dire qu'on a fait du bon travail. Ça, c'est bien vrai. Félicitations à tous les trois. Grâce à vous, on a maintenant la place nécessaire pour faire les travaux. Nous pourrons les commencer après les fêtes, à la fermeture de la boutique. Merci beaucoup. De rien, on s'est beaucoup amusé. Ah oui, moi aussi j'ouvrirai une boutique quand je serai grande. Je l'appellerai la Zini Boutique. Vous avez tous les deux fait de l'excellent travail. Et merci beaucoup, papy. C'est vrai, on vous emploie tous les trois comme conseillers dans notre magasin quand vous voulez. D'accord, mais il faudra d'abord attendre qu'on ait fini nos études.